Xperia aujourd'hui. Parce que depuis le début, t'es pas prévu qu'il était ton. C'est fait du fort. Raconte la WAP et pourquoi j'ai tué. Ils ont fait un dur. Viens. Il est là. C'est quoi le problème, mon cœur? T'aimes plus ton chéri d'amour? Ah, ah non, c'est lui. Mais il n'a pas d'atoile, lui. Pas pareil, la vol est lent. Oh mon dieu! Oh, t'es pas ça là, le rite là. Ouais, mais il n'a pas d'atoile, lui. C'est ça le train? Et il a le couteau brouillé. Donc, hop. Ah, c'est droite, putain. Merde. Bah, puis il croit. Bah, pire qu'on croit. Que pas comme la croix, mais. Voilà. Là, c'était quoi? Faut piller à deux. Ça va, gros, ne cliquez pas, hein, pour une première review. Ah, ok. Il est parti. Ah, bah, l'action, on avait vu, nous. Ouais. Ouais, c'est moi, allez, on bouge. Le... Ouais, c'est moi, tout bizarre, mais pas ça. On est au complet. Ah, mais tu peux récupérer le train d'allumage. Ah, oui. Ah, mais tu peux laver la moyenne, toutes les catégories retrouvent à cette action là, peut-être. Hein. Ah, si tu ben, t'échappes un des yellots. Ouais. Ouais, non, moyen. Tout va bien. On est à l'abri ici. À quel moment? Comment on l'y connaît? Tiens, mettez avec Subrad, s'il vous plaît. On a encore de l'espoir. Il m'a dit à nous. Bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Excellent. Déjà deux victimes alors que tout se passait si bien. Oh merde, il est délivré mon mot. C'est confirmé. Quelqu'un aurait-il vu Brad? Chien. Thank you, hein. Et notre ami camarade, il, ou plutôt vous, auriez dû y aller plus prudemment. Pour mon frère. Avez-vous compris ce qu'il se passe? Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider avec un petit indice. On prend. Voyons voir comment tu as fait ça. Certaines des puissances en jeu le héros, sont alors. Voilà. Scientifiques, voire, irais-je jusqu'à dire, politiques, vous voyez, moins surnaturelles. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles? Allez, retournez-y. À plus tard. Oh hell no! Pas plus avancé que cela dit ça. Un train politique, un train à la guerre. Non, Spato est forcément maudit. Pas un train sur naturel, c'est la seule explication logique. C'est le gaz, les horreurs, les hallucinations. T'es peut-être Brad les morts parce que.
L'autre gars là-bas l'avait pas vu Ellie en fin de compte dans le bateau, et du coup, peut-être l'idée pour un staff en te mettre un coma. Du coup, l'autre gars a battu Ellie, genre Junior. Ouais. Non, le gars là-bas est mort parce qu'il m'a raté le train cardiaque là, c'est tout. Faut pas dire autre chose. Ah ouais, faut tirer ça parce que il a fui quand même. Mais il a fui, mais pour aller où ça? Parce que, enfin, bah, il y a chope dans le fond, c'est pour ça qu'il est mort, en fin de compte. Ah ouais, il échappe dans le fond avec l'espèce de sac là, ouais. Pareil pour l'autre gars aussi, Il est pas là où rejoint? est-ce? Non. Ah C'est le bon petit truc histoire ok. principale. Ah, c'était Ah, un c'est Wound un of the Dead à quoi? hybride. Ah ouais. J'ai pas compris ça comment. Ah, les jeux qu'on n'a pas lié bon train là. Attends, il pense comprendre. Rescable l'avion, il y a bombardé un gaz. Ouais, c'est ce que. Bah oui, il a gagné un espèce missile, ça non? Avec les éclairs, je sais pas trop quoi. Non, je sais pas. Peut-être à la con. En tout cas, l'avion était chez ce bateau. Parce qu'il avait nos bonnes coordonnées dessus. L'avion fait un aïe avant. Ok. Du coup, bah, tu as sauvé un gars de l'eau, ça m'avait compris. Ok. Bon cadavre, il m'utilise pour sa bonne vie. Ouais, ben me penser de ça même être à la guerre, ben envoyer un gaz super la tête. Hein. Ben on est coqué parce que le gars là, le marque est mort. Totalement. Comment alors les cartes? Ah ok d'accord. Le l'avion t'a enlevé en fin de compte. T'as fait bombarder. Nega tombe, la tombe dans l'eau. C'est le gars. C'est pas ça là. Il parle d'un banasov, un gars. Ah ben on a récupéré un bug et c'est le bug là. Ouais, ça là. L'équipage de jeter une ancre procédé au sauvetage d'un membre de l'équipage qui s'est jeté. Non, non. C'est un gars. Non, c'est un gars sauté. Ah, ok, non. Une nacelle. En tout cas, un gars chappé dans l'avion. M'a échappé ou quand le train la tombe dans l'eau, le canot de sauvetage? En tout cas, il échappe. Ouais, il est gars barré, quoi. Déployer l'un de ces canaux de sauvetage lors de sa mission. Attends, il m'a quand même Non, c'est couru le de l'eau. 23. Ah ouais, relax le calax au top, hein. Goûte mal. Gardons notre calme et essayons de rester rationnels, ok? Attendez, où est Conrad? Vous l'avez vu, on a été séparés. Oui, mais l'espace d'une seconde. Il est parti avant que je le rattrape. Parti où ça? Ah, il y a vu le cadavre. Non, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que tu nous dis pas tout, Fliss. Écoute, je sais pas ce que tu veux que je te dise. J'ai rien vu, d'accord? T'en es bien sûr? J'espère pour toi que c'est vrai.
Ok, on va tous y retourner maintenant et on va retrouver mon frère. Julia! Il est peut-être en train de mourir, faut qu'on y aille! On va y aller, mais pas tout de suite. Est-ce que t'aurais vu Brad en bas? Mon instinct fraternel commence à s'affoler, je t'avoue. Il y avait un genre de cérémonie carrément glauque, et quelqu'un m'a vu. Un taré en tunique s'est jeté sur moi. Hein? Quoi? Qui t'a attaqué? Un enfoiré en tunique, j'en sais rien. S'il y a bien un truc que Brad sait faire, c'est éviter les confrontations. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales, d'accord? Le plan de caméra, je pense, tu me l'avais bizarre. Hein. On aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts, et après, ils l'étaient plus, et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Imagine en fin de compte, c'est genre... Fliss, quand il y a bataille avec le gars avec cagoule là, c'était Brad, ouais. Il y avait un coup de couteau. Ouais, il aurait tué Brad, et pendant qu'il est en train de fuir, il y a croise Conrad. Et Conrad, ben, dans son bon délire, il calcule ben, c'est un monde de chaises, en fin de compte, c'était Antinateco d'Ali. Ouziou? Ah ouais, bah, il voit pas c'est que le moon et... Voilà, genre, ouais, mais, le bouc de Boudjiwa, il parle pas de surnaturel, rien, il parle que de politique. Non, je sais pas... Ouais, pour moi, il a pas rien de surnaturel, c'est juste banal et en mode de... Il a pleuré, ou peut-être, peut-être le gaz n'est pas... Ouais. Le gaz Moïse, ouais. Moïse fait voir hallucination, mais en vrai, c'est banal entre les autres en zone, quoi. Ouais, mais non, encore les trois autres gays là. Ouais, par contre, encore les trois gars là. Chinois, c'est les... Chinois la courue, mais la courue, ou ça. Alex était pas le seul. C'est ça, Alex. Mais de quoi tu parles? Avec Bana, point de bateau, chapé. Des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex. C'était un cauchemar. Julia. Je te ferai jamais de mal. Tu le sais. C'est un scénario pas mal, hein. Oui, je sais, mais... Tout ça peut pas arriver en même temps. Pour l'instant. C'est mal la tête. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Il est assez simple, quand même. C'est pas une coïncidence. Il va pas trop loin. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qui est bien réel? Je débloque, on est sur un vaisseau Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici. Apparemment, les gardes étaient terrifiés par quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales. Où est l'équipage? Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Aucune idée. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Une deuxième fois quand même. Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? Il est peut-être temps d'admettre qu'il n'y a pas d'or ici. On l'aurait déjà vu sinon. En gros, mais obligé. Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage? Où ils sont tous passés? Ça empeste la mort partout ici. C'est comme un tombeau. Alors, mais les oublieux, ça? Il faut croire qu'on peut véritablement mourir de peur. Je suis certaine que c'est ce qui est arrivé à ces types. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. C'est pas rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. C'est juste impensable d'avoir encore courant si un train a échoué en 1947 quand même. Hein. Ah, du coup, on contrôle le gars là, moi ça fait plaisir. Ouais. Après, c'est un courant, il marche avec les sens, on va dire, moi, mais bon. Peut-être que tu as bien vu, tu en es que la marée, la meilleure. Ouais, mais la rouille, frère, là.
Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être ces armes qui ont abattu l'avion qu'on a découvert. Douille-là, elle est un peu plus belle, non? Ou ça, c'est le restant, le douille? Du coup, c'est Banna fait pète l'avion. Attends, la bonne soldate dans l'avion, c'était quoi? Quelle race? Américain, japonais? Ça c'est bonne boucle, t'es dans le... Là. Ça c'est bonne boucle dans le bateau. Regarde le douille là. Non, pas 50, 49. Ouais, il dit les tireurs du navire ont attaqué l'avion. Lourand Médan. Ah là, le mot nous rôde déjà. Ok, du coup. Ah d'accord, mais le train a été largué en plein vol, le canot de sauvetage. C'est quoi la nationalité, hein? Pas mal de temps, ça. Mais il doit être chinois, hein? Non? Ou japonais? Le jeu s'appelle Man of Medan. Lourand Medan, c'est quoi? Le bateau ou l'avion? Le bateau. Le B, je sais pas quoi, était abattu par. Le B29 était abattu depuis. Lourand Medan, donc ok, bah tiens là-dessus. Le saga américain était à bord. Ok. Ok, le bonnes américains sur le bateau, mais sur l'avion, n'est pas. Du coup, l'avion a fait de s'en aller par le bateau. Sauf que dans l'avion, il avait bonnes coordonnées pour aller sur le bateau. Sur le bateau ou bien pour le l'or là? Pour l'or, oui. mais pour l'or, ah, le bon coordonnées, il ramène sur le bateau. Hein. Ah, il ramène où ça le bateau il est plutôt. Et 5 à 9 le trou. Je sais pas. C'est quoi ça? Rien de. La moyenne est un gars, il passe en l'air. Ah non. Il tente une abîme, non, comment? Cafrienne. Reviens où? Fliss. C'est un nom bizarre ça, Fliss. On peut monter? Félicie. Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Oh, il m'a dit en mode posé, il fouille par rien, il va tout. Allez, on est là, on se fait la bronzette et tout. Là. En haut, en face de où? Il y a le. Un sauvetage. Ah, t'es là-bas? Ah. Ouais. C'est pour monter ça. T'as un gars d'un coup d'IA. C'est juste. Ah, ouais, d'accord, faut monter. Là, ça arrive là, ça dit, ouais, on a fait un tour le bateau. C'était qu'il n'y a pas une, deux secondes, non? Let's go! Oh merde! Ah, un masque, ça va être bon ça. Je vais transporter quelque chose de plutôt dangereux. Est-ce qu'il me s'est récupéré? Non. Non, il doit aller trop loin apparemment. Ou peut-être il me s'est monté là-bas, c'est déjà moins... le gaz qui va passer, du coup il attrape le masque. Ça est chiant par contre, hein. Faut finir moi là. Ça. Non, c'est blanc, moins de sa lumière frappe celui ou à l'ennemi. Hé!
J'ai rien contre un petit coup de main. Échelle. Ouais, je te disais, soit tombé ou crève. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Oui, bon, hein, je l'ai mal là, même si c'est une impulsion. Hein. Il a tenté, hein? Ah fait. Bon? Ok, il est beau là-bas. Et hop hop hop. On y va. Et ça monte. Mesdames et messieurs, attention à la marche. What? Il y aura un point, je n'ai pas eu des. Tu es beau, bob bob. Train, y a pas étendu, vous visitez hein. Votre corps, c'est par ici. Excusez-moi. Je sais pas, il est bien fait mort et là il bouge pas. Hein. C'est là que j'ai poursuivi Conrad, c'est ça. Ah, on entend. Ah, c'est lié à quoi dit à Conrad, ouais. Le délire de. C'était lui le vieux forme en mode apparition. Ou la mort, ben, ou la mort seul en gros quoi. Ou la mood. Et Brad d'être la même. Hein. Ok, faut boire là-bas. Si y a pas. Mais est-ce que t'as entendu un coin bas hein. Ouais. Par ici. Bah, tu connaîtras jamais. Il y a un chemin par là. Ah, la moyen c'est le coup de tête sur le bord cabinet. Hein. Rentre pas, faut bonheur même. Ça y est là. Mais y'a de fait chier, un petit peu au bar là-bas en fait. On a déjà annulé le QT en fait. Et battu, parce que t'auras jamais connu là-bas. Parce que t'auras aussi la barre là-bas quand même. Bah là-bas pour comment se délier un bout toi. Elle me dit oh putain c'est peut-être là que j'ai croisé bras de nain. Ouais. Ils con ils sont sa main quoi. Aïe de Jay Véchimique Chaman Le poste. Oh mon croco là. Belle belle cafard. La stratégie, on secoue le livre, ça se. Apparemment, une grosse tempête les a surpris. Un vide tempête. Vide tempête. Appuyez 1. Mise à jour, le nom du navire est Laurent. Manque pas grand chose. Mais en vrai. Attends, mais je suis là ici, ça vous tarde pas là, non? Arrive à la fin, et ben divin! Divin! Le livre t'appelle le boule quand même? Je vous. On va éviter les pots dans ce moment. Si, ça même, ça fait un. Tenez plus autour. Salut toi Charlie. Non. Pas très causant. Hein. Du coup, c'est mon cadavre. Même que je me suis remarqué, on est proche de l'extérieur du bateau, on n'a pas les hallucinations. Ah, c'est vrai. Comme tout. Peut-être parce que. Elle est normale, ouais. Confirmé, tout à fait. Ah. Plus c'est en Dakar, plus c'est en Batchoun. Junior Plania à bout portant. Bon, bah, si Junior a besoin, balle. Vous avez trouvé la radio? Vous disiez que, bah, y'a ni fou. Non, mais il va y avoir
avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. On aura du volité à la norme, hein, donc. Bah, bah, c'est un con. Aimé ? Tout à fait. Okay. Ouais, puis dedans. Gros Marc ici, va. Il pousse. Et avance, frère ! Faut qu'il bloque en haut. T'es arrête ! Cette fois, viens via la caméra. Fais. Ah, on bouge pas là quand même. Cool. Sauf ça, couillon, on aurait pu faire ça depuis le début. Reviens. À l'entrée là. Non, voilà. Là où tourne un train, là où ça le gars il filme. Ah, t'es là. Ouais. Ouais, il n'a pas idée. Hein. Il est pas avancé ? Non. La proue. Tu connais le chemin là-bas, ça t'est fermé. Ça, ça une trappe ça. Et le laser. A beaucoup fou donc quoi. Ça doit faire. Mais je ben il m'a rien à foutre, hein. Bon écart, il y a 6. Sus, on saute à où ? Fais ton vie. C'est où le mal ? Fais le taf. Mal alpha. On est sur table. Il y a un problème là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. J'ai l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. Ok. The world. Et en vrai, j'ai bloqué hein, le cas d'un sens là. J'avoue, le train est axé sur l'Amérique. Ouais. Comment on traite là ? Francisco. Mbappé. Sors. Mbappé, tu descends. De trucs. Ok Google, allume salon. C'est you. Hein. Okay. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils ont pas pu trouver leur position. Pas loin que ça, non ? Ah, ok, c'est 22 jours. Hein. Ok. Donc, au 21 juin, le gars jette son corps. 22 jours, mon gars, tu pouvais essayer à rôder le gars sous la tempête. Envie de tempête. Tu connais pas mal d'indices, non ? Oui, mais c'est pour ça le capitaine a dit comme bah ouais, non, le gars a pas tombé, le gars a vraiment zé son corps. Ils connaissent pas leur position lorsqu'ils ont jeté l'ancre. Et une bonne rond les reliés avec là. Genre le 13 et le 24. Ok. Bon, tiens, c'est accueil. Pourquoi t'es verrouillé ? Parce qu'elle avait un cadavre bizarre. Ouais, ok, ça le lien. Du coup, la moyenne, nous connaît. Pourquoi ben elle est morte de peur ? 7. Au final, on trouve bon train là, même pas du tout dans l'ordre. Ouais, bah oui, bah. C'est quoi ma main? Ça te connaît? Faut juste que j'aime où le train il appelle comme ça quoi. Si je refais un an, nous connaît le train. Et à où? Doit être à où? Ah là, le radio. Ouais, comme c'est radio est mort. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Des heures 1. Ça sent le désespoir. I die, ben, tu l'as I die fort. Ah oui, hein. Tu as dit ça chacal. Regardez.
Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant... Je vais la tester. Mais le courant, c'est une sorte, gal. Ah, ça fonctionne. Que Prud'homme. C'est tropical, c'est ici. 52. En 86. 49. 32. 89. Bingo. 3. Le numéro complémentaire. Gadio, ça c'est un ton dramatique. On demande de l'aide. C'est où la tournée ou bien la tournée du sol? Eh, on m'a tourné. Hé! Hé! Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent! Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Répétez. On est sur un genre de cargo, le nom du navire serait l'Ourang Medan. Allô? Allô? Quelqu'un me reçoit? Hé, hey, répondez-nous! Bob bien épi. Attention, j'ai eu blanc. What? Ah, un reflet. Oh. Regardez ça! Chelou. Oh, son frère, 4 pattes crevées d'une fouille. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici, au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Tu seras pas toujours là pour me protéger, Musclor. Je peux me débrouiller, crois-moi. Je suis encore la capitaine. À ce que je sache. Et la capitaine, elle dit qu'elle y va, elle aussi. Ok. On y va, Fliss. Je suis sorti là tout seul. Voilà, les deux sont morts. Il reste un quinté en dessous. Cool. Cool tout ça.